Bon, bonsoir Isabelle, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Voilà, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session, Isabelle. Et donc, on t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Alors, on commence par la santé. La santé, s'il te plaît. D'accord. Donc, j'ai un problème d'acouphène qui est vraiment très très handicapant. Les deux oreilles? Oui, les deux, c'est des sifflements. D'accord. J'ai également des douleurs très fortes sous les pieds, très très fortes. C'est vraiment handicapant parce que parfois je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à ma voiture en partant du travail. C'est quoi, c'est sur les talons ou Alors c'est tous les pieds, c'est-à-dire que ça va des articulations devant jusqu'au tendon d'Achille en passant par tous les fascias sous les pieds. Ah oui, d'accord. C'est les tendons qui, j'ai l'impression, parfois sont en verre et vont casser, tellement ils sont durs et douloureux. Et c'est des aiguilles sous les pieds, en plus des douleurs d'articulation. Donc c'est horrible, je boite. Ça se calme à certains moments, et à certains moments, c'est handicapant. Le mot, c'est handicapant. D'accord, ok. Et depuis longtemps, c'est comme ça? Depuis quelques mois. Depuis quelques mois, il y a. Bon, je travaille dans un endroit, c'est un lieu historique, à côté d'une ancienne cathédrale. Et enfin, il y a un port où il y a eu du trafic d'esclaves pendant. Tu travailles à côté d'une cathédrale, c'est ça? Voilà, je travaille à côté d'une cathédrale. Et pendant des siècles, il y a eu du trafic d'esclaves et de la. Comment dire? De l'exploitation d'êtres humains, d'enfants notamment, avec des bourreaux ecclésiastiques. Et tous ces gens-là étaient gérés par un démon. Et Comment tu sais? parce qu'une chamane qui m'a fait Ah. une guidance et un nettoyage m'a expliqué tout ça et elle a vu notamment un vortex sous mes pieds. Donc je pense que ça peut venir de là, mais j'en sais rien. Parce que elle a fait le nécessaire, mais j'ai toujours ces douleurs vraiment en D'accord. les pieds. Donc dans ton cabinet, il y aura un vortex sous tes pieds, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est quand je suis dans mon cabinet ou est-ce que je ne sais pas. Bon, on Je ne sais verra ça. Ok. pas. Donc ça, c'est ce que dit la chamane. Hein? Ok. Oui, voilà. Bon, on va vérifier, mais bon. Bien, il se peut qu'on voit autre chose, Bien. hein? Là, c'est ça. C'est Mais pour ça que je me bon. concentre. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme point? Alors, dans le même registre, une nuit, c'était il y a un an à peu près. Alors attends, on est dans les points de santé, hein? Tu me parles Oui, de. d'accord. Donc là, on n'est pas dans les points de santé, là. D'accord. Le système digestif. Je n'en sors pas. Depuis le début de cet été, je n'arrive pas à soigner mon système digestif, Qu'est-ce malgré le fait que je me soigne avec la biorésonance. qui se passe? Qu'est-ce qu'il a ton système digestif? C'est quoi, des aigreurs d'estomac? Qu'est-ce que tu as? Alors, c'est des gaz, des diarrhées, Ah. des douleurs. Donc, c'est intestinal, c'est l'estomac aussi, mais c'est principalement intestinal, avec un gros, gros problème de diarrhée. D'accord. Et je me soigne, hein, je fais tout pour me soigner. Hein. D'accord. Au Ok. niveau de l'alimentation, au niveau ben, voilà, de la biorésonance, je ne devrais plus être malade. Et je le suis toujours, et vraiment, je n'en vois pas le bout. Voilà. Ok, nous verrons ça. Ensuite. Alors, au niveau de la santé, alors à l'âge de 8 ans, on m'a opéré des végétations. Et avant cette opération, je ne mangeais rien, je n'aimais pas manger, je n'aimais ni les gâteaux, ni les bonbons, ni rien. Je mangeais très peu. Je suis née petite et maigre, et j'étais petite, minuscule et maigre jusqu'à cette opération. Après cette opération, je suis rentrée, j'avais très faim, j'ai dévoré, et depuis ce moment, je n'ai pas arrêté de dévorer.
Et j'ai D'accord. bien sûr des problèmes de poids. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je suppose qu'on a touché à ma thyroïde pendant l'opération, je suppose. Mais ça, c'est pas dit dans l'histoire. Mais je ne sais pas. Si vous pouvez me donner un éclairage là-dessus aussi, voilà, On va c'est voir. formidable. Ok. J'aimerais beaucoup savoir. Bon, ça fait 2 ans que je vous écoute maintenant et j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant. Je sais notamment ce qui se passe dans les hôpitaux, donc j'en conclus qu'on a pu effectivement toucher ma thyroïde comme on a touché celle de beaucoup de monde, je pense, dans les hôpitaux. Donc, problème intestinal. Voilà, je pense savoir. Alors, oui, mes nuits agitées, oui, on peut mettre ça, oui, dans le chapitre de la santé. Oui. Des nuits très agitées, vraiment très agitées. C'est quoi? C'est des cauchemars? C'est quoi? Alors, c'est pas des cauchemars, c'est vraiment physique. Physique. Et c'est pareil, comme je me soigne avec la biorésonance, j'ai inversé toutes les maladies nerveuses, y compris l'insomnie. Je ne comprends pas d'où ça peut venir. Donc, voilà, de la même façon, si vous avez une explication, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc au niveau santé, oui, je dirais que c'est tout, si ce n'est que, bon, je suis asthmatique depuis toute petite. J'ai fait des épisodes asthmatiques assez importants pendant l'adolescence. C'est une fragilité que j'ai, quoi. Les bronches, c'est une fragilité, ainsi que les oreilles. Les oreilles, Ok. souvent douloureuses, et ça va, je pense, avec les acouphènes. Ok. Ensuite, l'autre, c'est quoi les autres points? Alors, au niveau santé, je pense que j'ai fait le tour. Les intestins, les oreilles, les nuits agitées, les pieds. Alors, bon, j'ai aussi des mains très douloureuses. Et en fait, les douleurs ont commencé par les mains. Et comme par hasard, bon, je peins, je suis très manuelle. Je peins, je masse, je soigne avec mes mains. Je fais beaucoup de choses avec mes mains. Et Tu voilà. peins, tu peins, tu fais quoi, de la peinture à l'huile? De l'acrylique. J'utilise de l'acrylique, alors partout. Je fais des fresques, je peins des portes, des meubles, des tableaux. D'accord. Et la peinture acrylique, ça comprend pas de, il n'y a pas de produit chimique dedans? Si, sûrement. Sûrement. Et quand tu as mal aux mains, c'est quoi? C'est les articulations? Qu'est-ce qui te fait mal? C'est les articulations, oui. Le matin, quand je me réveille, mes articulations sont bloquées, extrêmement douloureuses. Mais bloqué au point que ça fasse un cran, quoi. Avec ma main, je dois déplier ma main comme ça, quoi. Ça fait vraiment un cran. Et voilà, ça s'empire principalement la nuit, très fortement la nuit. D'accord. Alors, après les autres points, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Alors, pour les autres points, donc pour mes peintures, au sujet de mes peintures, mes peintures plaisent énormément. Les peintures quoi, j'ai pas compris. Mes peintures plaisent énormément. Ah, C'est-à-dire oui, que tant mieux, c'est bien. les gens sont en admiration devant mon travail, mais je ne vends pas. Alors, je trouve qu'il y a un paradoxe entre la non-vente et l'admiration. J'ai observé, par exemple, des gens arriver devant une fresque que j'avais peinte, et ils ne savaient pas que c'était moi la peintre, hein, donc je les ai juste observés. Et je trouve, voilà, qu'il y a vraiment un paradoxe entre l'appréciation qu'il y a de mon art et que je ne vende pas. Voilà. Je D'accord. me Donc demande s'il n'y aurait pas un blocage. tu peins uniquement des fresques? Non, non, je peins principalement des tableaux. Là, je peins aussi des meubles dans mon cabinet que j'ai mis en vente. Voilà, je peins, oui, principalement des D'accord. tableaux, en fait. Et t'arrives pas à les vendre. Ok. Non, c'est pas. J'ai vraiment l'impression, oui, qu'il y a un blocage. Et je ne peins pas. Enfin, j'ai l'impression d'être guidée quand je peins, très clairement. Notamment là, dans mon local, je me suis, en étant consciente, je me suis complètement laissée guider. Et exemple,
j'ai peint une forme et en me laissant guider, j'ai peint une forme qui est harmonieuse, qui est régulière, qui est belle. Alors que si je l'avais fait moi-même, je sais que j'aurais dû la reprendre, reprendre cette courbe. Et enfin, oui, j'ai l'impression vraiment d'être guidée. Ok, on verra ça. Voilà, oui. Après, autre point. Alors, autre point, il m'est arrivé il y a un an à peu près, pendant la nuit, je dormais profondément, d'être réveillée par un cri. Un cri qui venait de ma gorge et qui c'était une voix masculine et horriblement rauque. Donc clairement pas ma voix. Et peu de temps après, un deuxième cri. Ce n'était pas la même voix, mais c'était pareil, masculin, rauque, horrible. Suite à ça, je me suis levée, j'ai craché quelque chose d'épais, je ne sais pas quoi. Puisqu'il faisait nuit, donc j'ai pas fait attention. J'ai craché quelque chose de très épais, et suite à ça, je suis partie dans une grippe. Le lendemain ou le jour même, je ne sais plus. Voilà, quelque chose de vraiment étrange. Autre point, je n'ai jamais réussi à trouver l'amour, c'est-à-dire que j'ai un tempérament, un caractère, une personnalité. Je n'ai jamais réussi à ce qu'une personne qui me ressemble tombe amoureuse de moi. Ce sont des hommes qui se sont intéressés à moi, mais qui ne sont jamais tombés amoureux de moi. Les seuls qui soient, peut-être, je ne sais pas, tombés amoureux de moi, en tout cas avec qui j'ai pu partager ma vie, c'était des gens toxiques et destructeurs. D'accord. Et là, récemment, j'ai eu une histoire avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, parce que j'essaye, mais ça n'a donné, ça n'a rien donné. Je n'étais pas amoureuse, en fait. D'accord. Ok. Autre point. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. Oui. Bon, eh bien on va passer aux invitations alors. Qui veux-tu inviter? Alors, j'aimerais inviter donc ma mère. Ta mère, oui. Mes deux frères. Deux frères avec leur famille, ils sont mariés, ils ont des enfants. Oui. Donc leurs frères, leur famille, d'accord. Voilà. Et mes deux fils. Tes deux fils, ok. Ils sont aussi, ils ont une compagne? Non. Ok. Non, pas à ma connaissance. Ils sont jeunes, donc pas mal. D'accord, ok. Et famille en général? Oui. Ça fait beaucoup de monde, par contre. Oui, peu importe. Ah, c'est illimité. Hein. Alors, d'accord. Voilà, vient qui veut. On invite et vient qui veut. Ensuite, tu as des amis de cœur? Sans nommer les noms, bien sûr. Hein. Oui. Il y a une jeune personne qui a 23 ans, qui est dans mon cœur. On va dire tous tes amis de cœur, tous ceux à qui tu penses. D'accord. D'accord. Ok. Alors, pour les deux désincarnés, qui choisis-tu? Je choisis mon père. Oui. Et ma grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle, hein? Voilà. D'accord. T'as des animaux? Non. Bon, ben on part pour l'aventure. Je te laisse couper le son et on est parti. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 32 300. Ok, connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse te connecter sur Isabelle et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte de tournoiement énergétique sous elle et autour d'elle. Ça vient s'interposer entre elle et les autres humains.
ça vient l'enfermer en fait dans cette sorte de tourbillon-là. Donc ça l'empêche d'avoir une connexion terre-ciel stable et tranquille, puisque cette sorte de tourbillon, il se rétrécit en fait vers le bas comme une sorte d'entonnoir, avec une concentration d'énergie dissonante au niveau des pieds et en dessous. Et ça vient la tirer vers le bas. Mais comme ça ne fait pas partie de ses propres énergies, ça vient modifier toutes ces informations, qu'elles soient biologiques, sur le plan physique ou subtiles, ça crée des décalages. Donc ça oblige l'élémental du corps à se stabiliser, à compenser, et ça lui prend de l'énergie. À l'intérieur de cet espace. Allô? Oui. Isabelle, il faut que tu coupes le son parce que ça fait des bruits parasites. Il faut Non. absolument que tu coupes le son. Je clique et il ne se passe rien. Je clique sur le Et micro. il faut que tu continues. Il faut vraiment que tu le coupes, hein. Ça nous fait des bruits parasites parfois, c'est très désagréable. Et ça perturbe Emmanuel. Donc il faut que tu y arrives. Voilà. Donc, Emmanuel, t'es là? Oui. Allons-y. Donc tout est décalé dans sa sphère d'énergie qui elle-même se trouve donc dans cette sorte de tourbillon, de vortex qui vient l'englober complètement. Ça empêche ces sept chakras principaux, les secondaires aussi, mais on le remarque principalement chez les principaux. Ils ne fonctionnent pas de façon optimum. Il y a des décalages dans la circulation d'énergie, dans tout son corps, dans toute sa physicalité. Il y a une instabilité énergétique dans toute sa sphère d'énergie et dans tous ses chakras aussi. La pinéale, elle est décalée aussi dans son fonctionnement. Le troisième œil aussi. Tout est décalé en fait, c'est comme si elle était dans une sorte de réalité décalée. Y a une sorte de système GPS qui se trouve là à côté de la pinéale. Et qui parfois reste, on va dire, silencieux et parfois envoie des signaux pour la reconnecter à cette sorte d'énergie parasite qui vient envahir tout son espace énergétique et qui est à l'intérieur de cette sorte de vortex. D'accord. C'est quoi cette énergie parasite? C'est-à-dire que dès qu'elle s'éloigne, elle est rattrapée, en fait. D'accord. Et ça le cause quoi comme problème, cette espèce de GPS? Ça vient faire dysfonctionner sa glande pinéale puisqu'il se trouve à proximité. Tu vois autre chose, hein? Pour l'instant, non. Alors, qui est derrière tout ça? Sa vie revole autour d'elle sans arrêt. Sa vie revole autour d'elle sans arrêt. Oui. Sa vie revolte autour d'elle sans arrêt des êtres, c'est démoniaque, c'est à la fois humanoïde, à la fois ça a des ailes, des sortes de protubérances comme des cornes là sur le dessus de la tête. Et ça entre et ça sort de sa sphère énergétique, dans une sorte de, on va dire, de balai. Ils entrent et ils sortent à intervalles réguliers. D'accord, ils sont combien? Il y en a 5, 6, 6. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font avec elle? C'est quoi leur objectif? Ils se servent d'elle comme d'un jouet. C'est comme si elle était une sorte de poupée de chiffon, hein, qu'ils se repassent de l'un à l'autre, hein, et qu'ils maltraitent énergétiquement parlant.
Ok. Juste pour s'amuser. Oui, mais en la maltraitant, elle génère des énergies de basse fréquence, hein. Ce qui, et c'est ça qui les intéresse, donc ça les incite on va dire, la maltraiter encore plus pour qu'elle produise encore et encore plus de ce type d'énergie-là. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que c'est comme ça correspond à quel type de sentiment alors, ces énergies de basse fréquence? Des sensations d'être bloqué, des sensations de se sentir lourde, décalée, mal dans sa peau. Il y a ma voix qui résonne. Oui, mais c'est le micro d'Isabelle, mais elle n'arrive pas à le couper. J'arrive pas, j'ai coupé plusieurs fois, j'arrive pas à le couper, désolée. On va continuer. Essaye encore. Hein. Oui. Vas-y, Emmanuel. Ah, je ne sais plus où j'en étais. Alors, donc, elle génère des énergies basses, des fréquences, sensation de lourde, d'être lourde, bloquée. Donc, dans les sentiments, les émotions qu'elle ressent. Oui, une sensation d'isolement, de solitude, D'accord. d'être incomprise, mise de côté, quelque chose comme ça. Oui. OK. Bien. Alors, comment, depuis quand est-ce qu'elles sont avec elle la toute première fois? Je compte à trois et tu y vas. Un, deux, trois. Ces entités-là, elles sont avec elle depuis quatre incarnations. Quatre incarnations. Comment ça s'est produit la première fois, la première interférence? Elles ont commencé à venir la voir pendant la nuit, pendant ses rêves. Ces entités-là font, on va dire, ce type d'action ou ce type d'approche-là auprès de quasiment tous les humains. Et suivant s'il y a s'il y a un rejet de leur présence ou pas, elles viennent s'accrocher. Donc, quand il n'y a pas de résistance, quand il y a consentement de leur présence, quand il y a acceptation dans l'espace de réalité, eh bien, elles restent là et elles s'accrochent à la conscience concernée. C'est ce qui s'est passé pour elles. D'accord. Et la plupart des humains, donc, ne consentent pas alors, puisque si tu dis qu'ils le font pour la plupart de tous les humains. Non, la plupart des humains ne consentent pas, ou alors s'ils consentent à un moment donné, et une grande partie des humains rejettent par la suite. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne rejette pas elle alors? Parce qu'elle a ça s'est continué après, c'est-à-dire qu'elle a continué à consentir au-delà de l'incarnation concernée. Elle a continué à consentir à leur présence au moment de sa désincarnation. D'accord, mais alors ils se sont présentés de quelle manière pour qu'elle consente? Comment est-ce qu'elle les a perçus? Comme des humains désincarnés qui venaient l'attendre là, au moment de sa désincarnation. Et s'ils se présentent de la même façon pour les autres humains, donc comment sait-il que les autres les rejettent et pas elle? Les autres humains, ceux qui les rejettent, c'est pendant l'incarnation. Et quand ces entités-là sont rejetées, ça crée comme une sorte de marqueur qui fait qu'elles ne se représentent pas auprès de ces mêmes consciences. D'accord, mais qui est la faille pour elle qui a fait qu'elle ne les a pas rejetés? Elle a forcément une faille. Une sensation de solitude, le fait de se sentir, oui, c'est ça, seul et ne pas savoir vers où aller, vers où se diriger. Perdu. Seul et perdu. Le son, c'est pas possible. Oui, je sais. Isabelle, il faut absolument que tu coupes le son, hein, parce que c'est pénible.
J'ai beau cliquer, ça ne coupe pas. Je ne sais Ouais, mais il faut que tu continues, il faut que tu persistes. Ça fait des bruits parasites, c'est perturbant pour Emmanuel. D'accord. Tu peux continuer? Je sais plus où j'en étais. Sensation de solitude, d'être perdu. Oui, au moment de sa désincarnation. Voilà. Et donc c'est la faille en fait qui leur a permis de pouvoir s'incruster et d'avoir sa permission, son Oui. consentement. Oui. Bien. OK. Alors, je suppose que pendant que nous avons ces informations, que toutes les parties d'Isabelle prennent conscience et connaissance de comment elles se sont fait avoir. Oui. Parfait. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine, donc sur Terre, dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Dans cette boucle-là, 27. 27 vies humaines. On va voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quel format. 1, 2, 3. Sa polarité est féminine, mais la forme de son corps est indéfinie, hein, c'est-à-dire qu'il y a on peut percevoir les contours d'un visage. Hein. Il y a du bleu, du blanc, des couleurs pastel et douces. Mais il y a seulement le visage et les mains qui apparaissent clairement. Après le reste, c'est énergétique. Hein. C'est une sorte de ruban bleuté, irisé, énergétique. Elle se déplace en ondulant sur des chemins fréquentiels. Elle est là dans les énergies de Vénus. D'accord. Elle se déplace en ondulant au travers des. C'est comme des chemins qu'elle emprunte, des chemins fréquentiels. Elle tisse de nouvelles voies de communication, de nouveaux chemins entre la cinquième et la sixième dimension, pour créer en fait des voies d'accès, créer des ouvertures interdimensionnelles. Entre cinquième et sixième. Oui. Ok, donc sur Vénus. Donc elle est en quelle dimension? Cinquième. Okay. Et quand tu dis qu'elle ouvre ses chemins fréquentiels, qu'elle les tisse, c'est à l'usage de qui? À l'usage de ses semblables. Ok. C'est une activité qui prend beaucoup d'énergie et que elles font à tour de rôle. Elles sont plusieurs qui sont occupées à ce type d'action. Alors, regarde si c'est les interférences qui créent cette perturbation au niveau de l'ordinateur d'Isabelle. Il y a quelque chose de sombre autour d'elle et de piquant, mais c'est les entités que j'ai vues tout à l'heure. Ok, bon, on les verra tout à l'heure. Ok. Donc sur Vénus, donc c'est pour les semblables. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humain alors, à partir de cette forme d'existence? Les déséquilibres ont commencé quand elle a commence à effectuer ce même type d'action entre la cinquième et la quatrième dimension. C'était beaucoup plus réel, c'était pour elle par rapport à son type d'énergie et de fréquence beaucoup plus périlleux. Elle a été comme aspirée dans la quatrième dimension par un des chemins qu'elle a ouvert, dans une des voies qu'elle a ouvertes sans parvenir à rejoindre la cinquième. À partir de là, repoussée en quelque sorte dans la quatrième dimension, elle a commencé à chercher des voies d'accès pour retourner vers la cinquième dimension, tout d'abord dans les énergies de sa planète, puis ensuite dans des énergies d'autres planètes. Elle a fait en quelque sorte le tour de plusieurs planètes, dont la Terre.
Sauf que quand elle est arrivée vers les énergies terrestres, elle y a été aspirée comme une sorte de trou noir, quelque chose comme ça. Et quand elle a repris conscience, elle s'est retrouvée dans les roues d'incarnation. D'accord. La première existence sur Terre, c'était en tant qu'humain? Oui. Bien. Alors, reviens ici maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu d'autres choses qui n'ont pas été vues? Pas pour l'instant. Est-ce que tout son ADN appartient à son essence, y compris les informations? Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien, puisque nous avons sa permission, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. C'est pas grave, on va passer au-dessus de tout ça. Donc jusqu'au plan archaïque. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Un, deux, trois. Oui. Voilà, alors qui vois-tu? Alors, qui vois-tu? Il y a ces entités-là, Ne te celles laisse pas. citées précédemment, Oui, te laisse pas perturber, hein, c'est pas grave. qui créent du volume, qui se démultiplient. Mais quand je regarde la base, c'est toujours les mêmes que celles vues tout à l'heure. Sauf que par une sorte d'effet, on va dire d'optique, et énergétique, il y a comme une sorte de démultiplication. C'est pour se donner, c'est comme le paon qui déploie sa roue, c'est pour se donner plus d'importance, hein, pour se montrer plus menaçant, Bon, si pour ça leur prendre fait plaisir, c'est pas plus grave. de place. Bien. Bah, qui s'occupent comme ils peuvent, il n'y en a plus pour longtemps. Qui vois-tu d'autre? Il y a des parasites aussi qui sont là. Ah. C'est des sortes de filaments. C'est bizarre. Oui. Ces filaments, ça sert de lien entre ces entités-là et elles. Ces filaments-là, ils entrent et sortent par ces voies naturelles, c'est-à-dire qu'ils entrent par la bouche et ils ressortent par le rectum. D'accord. On dirait de la matière astrale qu'elle nourrit par sa propre énergie, mais c'est bien de type parasitaire. Et qu'est-ce qui les cause comme problème? Ça vient perturber tous ces circuits d'énergie, de circulation d'énergie dans le corps, ces circuits de transformation d'énergie. Donc ça vient perturber en premier plan tout ce qui a trait au système digestif et d'élimination. D'accord. Ok, digestif, métabolique, élimination, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Donc là, ce sont les démons qui les ont qui ont placé ces filaments astraux Oui. pour créer, on va dire, des liens pour mieux se manifester, c'est ça? C'est ça. Ça leur permet de rester, on va dire, accrochés à elle, de D'accord. garder le lien. Ok. Alors, qui vois-tu d'autre jusqu'au plan archaïque? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Parfait. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elles rompent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, Rétroactive. sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les bits, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps,
toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, tout dispositif, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, on la met dans une bulle de protection, une bulle christique de protection. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment est-ce que tu vois Isabelle à présent ? C'est beaucoup plus stable et tranquille maintenant dans son espace énergétique. C'est plus clair aussi. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes comment réagissent ces entités. Elle déploie, c'est métallique, elle déploie des sortes de dômes métalliques au-dessus d'elle. Alors, on va tout bloquer sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, je veux que tu te positionnes avant qu'elles aient réalisé qu'il se passe quelque chose. Oui. On ouvre un grand portail dimensionnel et on les vire toutes. Et dans leur déclinaison fractale aussi, puisque tu as vu les déclinaisons fractales. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Voilà. Donc maintenant, regarde si d'une façon ou d'une autre, elles ont les moyens de la repérer sur d'autres lignes de temps, dans les passés, présents, futurs, ou autres. Oui, sur d'autres lignes de temps qui sont proches de celles présentes. Il y en a 7. Ok, et il y a dans combien de dimensions au sein de chacune des lignes de temps ? 3. Bien, donc tu ouvres un portail dimensionnel et en virtuel également, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vérifie si elles ont encore un moyen de la retrouver d'une façon ou d'une autre. Dans ces lignes de temps-là, non. Après, en dupliquant, oui, il y a des sortes de duplicata qui sont là, dans des lignes de temps secondaires. Bien. Combien est-ce que tu en comptes ? 11. Et combien de fréquences, combien de dimensions ? 3 aussi. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui. Voilà. Donc, tu refermes le portail. C'est fait. Et maintenant, est-ce que tu vois qu'il y a d'autres moyens de la repérer ? Des moyens plus subtils, cachés ? Non. Plus rien ? Non. À l'intérieur d'elle, ces parasites ont disparu ? Il en reste des échos et des résonances, des traces aussi. Ok. Ok. Et dans sa sphère énergétique ? La même chose. Alors, on a limité jusqu'aux réminiscences sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vérifie maintenant s'il reste quelque chose quelque part. Non. Parfait. Donc, on va regarder son sens supérieur. Et j'ai envie que tu me dises sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel en observation. Et comment tu vois son âme ? Elle est repliée sur elle-même, elle se tient en retrait, comme apeurée et sans trop se rapprocher de la partie physique. Et sa partie subliminale ?
Elle a coupé une partie des connexions avec la partie physique pour ne pas être impactée. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan Morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre et une harmonie parfaite, et à l'amour qu'elle est. Oui. Alors on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace Morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Isabelle pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Isabelle. Il y a comme une sorte de morceau de musique avec des mélodies différentes et des différentes variations qui apparaissent. C'est expérimenter l'incarnation physique comme expérimenter toutes les différentes variations d'un morceau de musique. Dans toutes ses subtilités. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique et j'aimerais que tu me dises quelles sont les anomalies que tu y vois. Il y a une sorte de filet oppressant qui est là tout autour de la structure de l'arbre. Ça vient empêcher les consciences qui sont rattachées à l'arbre de pouvoir communiquer correctement et de façon fluide les unes avec les autres. Comment est-ce que ça impacte spécialement Isabelle? Ça vient renforcer sa sensation de solitude, d'être incomprise, avec une tristesse aussi en arrière-plan. Bien. Demandez à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 46. 46 générations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a cette sorte de dispositif-là qui se déploie autour de la structure de l'arbre à la sortie des roues d'incarnation. Qui est derrière ça? Des entités démoniaques. Son incarnation, c'est elle qui l'a choisie ou elle a été influencée ou poussée? Elle y a été influencée. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore interféré et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu donc lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de la portée de perception et du champ d'action de ces entités-là. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? C'est beaucoup plus léger. Toute l'énergie circulante est beaucoup plus légère, fluide, auprès de toutes les consciences là, qui sont rattachées à l'arbre. Comment est-ce que ça impacte spécialement Isabelle? Une sensation d'allègement, de bien-être. Elle ressent cette énergie circulante, c'est comme une vibration de bien-être. Alors, demande-lui si elle peut créer des voies de communication pour toutes les consciences de s'aligner, de communication par le cœur et d'ouverture de conscience. Oui. Allons-y.
C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. À présent, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reprolectif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les trois autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient stabiliser et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, maintenant, on va s'occuper des programmes Arconti et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc., tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience et de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 82%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en équilibrant le tout. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement. Elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Avant de continuer, regarde son ordinateur. Est-ce que les entités ont fait des interventions sur l'ordinateur? Elles ont créé des brouillages, des déconnexions. Voilà. Alors, est-ce que tu peux recréer les connexions? Oui. Est-ce que tu peux éliminer ces brouillages? Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre qui devrait être fait? Des reconnexions et des rééquilibrages. Allons-y. C'est fait. Que vois-tu d'autre? Là, c'est correct. Bien, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, pardon, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Donc dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Voilà. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, par toute, avec trace, mémoire et empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Que tout soit Oui, rompu et effacé. Voilà. c'est Bon, fait. c'est un peu perturbant tout ça, mais c'est pas grave.
Voilà, donc pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait, tu vas créer, baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique, Oui. y compris pour l'arbre généalogique et pour toutes les consciences concernées. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. C'est fait. Bien. Voilà. Vérifie ton ordinateur et le mien s'ils sont à nettoyer ou pas, s'il y a eu des perturbations ou pas. Alors, il y a des perturbations, mais pas directement dessus. Oui, ou alors? Il y a trois couches dissonantes, mais autour, mais à l'extérieur, mais pas posées dessus. D'accord, mais ça nous parasite. Ça a la potentialité de nous parasiter. Alors, on vire. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Là, regarde encore. C'est bon. Vérifie encore l'ordi d'Isabelle. Voilà, c'est la même chose, il y a ces trois mêmes couches. Ah, d'accord. Allez, idem. 1, 2, 3. C'est bon. Vérifie maintenant. C'est correct. Parfait. Alors, je vais conseiller à Isabelle d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. C'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, alliance, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on procède à l'élimination de toutes les programmations d'auto-sabotage. Donc, sur tous les plans et quelles qu'elles soient. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'a pas. Alors, nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation et association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Isabelle, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir.
Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours vouloir tout contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de mes tendances à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare. De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario. Que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté, et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine qui apparaît. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc., de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec
dans chacune des molécules une flore de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Qu'ils soient en même temps adaptables à chacune des situations et, bien sûr, aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, blanche et dorée, qui s'expanse, qui monte en puissance, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Là, elle vient doucement déplacer son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente, arrive à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres, c'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie, les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui.
De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise. Et concrétise. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, on connecte tous les chakras principaux au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va procéder à l'élimination des sanskaras, qui sont les mémoires de souffrance. Donc, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on élimine tout sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Envoies-tu en arrière-plan? Quelques-uns, oui. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, on s'occupe des programmes de vieillissement au sein de l'ADN, des cellules, de tous ces organes, de toute sa biologie. Donc, selon la loi de l'inversion, on va inverser ces programmes pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on procède à l'équilibrage et l'harmonisation des cinq éléments.
Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, la manifestation et le ressenti du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Le premier point qu'elle a évoqué, ce sont les acouphènes avec des sifflements sur les deux oreilles. Qu'est-ce qui se passe ? Ces sifflements qu'elle perçoit, ce sont ces énergies décalées qui tourbillonnent de façon dissonante dans cette sorte de vortex dans lequel elle se trouvait. Ok, donc je suppose que ça ne concerne pas que les oreilles. C'est l'ensemble de sa physicalité. Voilà, donc on va faire sur tout l'ensemble, pas tous les points qui sont concernés, d'accord ? Ça concerne les points, les corps subtils également ? Oui. On va les traiter avec. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer dans toute la globalité, intérieure et extérieure ? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance, et aussi des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique, des programmations de stabilisation, mais par rapport à ces fréquences-là, donc c'est décalé et inapproprié. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'au réminiscence. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble concernés soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder son système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Comment les vois-tu ? Il y a des désynchronisations des systèmes les uns par rapport aux autres et dans la structure de chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu vois à éliminer ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et puis des programmations de fonctionnement inappropriées qui restent encore. On élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Et réaligné, retissé. Oui. Harmonisé. Oui. Regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements qui restent à finaliser. Allons-y. C'est fait. Au niveau neuronal, est-ce que tu as des reconnexions à faire ? Oui. Allons-y également. C'est fait. Voilà, maintenant tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises tout ça. Oui. On va regarder le système endocrinien, immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu ? Là aussi, des décalages, des désynchronisations. L'énergie circule de façon heurtée. Qu'est-ce que tu vois à éliminer ? Des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Et aussi des programmations erronées de fonctionnement de l'élémental du corps physique. Alors, on élimine tout également sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et on réinforme. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
On va regarder sa glande pinéale avec la production de la valantonine, qui est cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et tous les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à combien tu la vois, quel pourcentage tu vois qu'elle est produite. 49%. Donc tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. On va regarder maintenant ces systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. On a aussi des désynchronisations, des décalages entre les systèmes et dans le fonctionnement de chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Il y a des mémoires avec leurs empreintes traumatiques associées, échos et résonances. Et puis des programmations de fonctionnement de l'élémental du corps physique, hein, qui sont inadaptées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Donc, 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, on regarde le système digestif et métabolique et tous les systèmes d'élimination. L'énergie est freinée. C'est comme si elle était obligée de prendre des voies énergétiques parallèles pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça crée des blocages et des dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance, et aussi des programmations automatisées de fonctionnement de l'élémental du corps physique, mais qui sont inadaptées au nouvel état énergétique. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans également, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc on va revenir sur les acouphènes. Est-ce que tu vois qu'avec ce qu'on a fait, c'est réglé ou tu vois des ajustements à faire? Il y a des ajustements à faire entre la gauche et la droite. Allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose? Des équilibrages aussi à finaliser. Allons-y. C'est fait. Est-ce que tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, donc douleur très forte sous les pieds. Donc, les tendons très durs, voilà, les articulations, c'est comme des aiguilles sous les pieds. Qu'est-ce que tu vois? Ça fait comme ce tourbillon dans lequel elle se trouvait, ça faisait comme une sorte de cône dont la base pointue était vers le bas, avec une densité d'énergie qui ne lui appartiennent pas et qui sont dissonantes avec ses propres énergies. Donc là, au niveau des pieds et en dessous aussi. Donc avec ce qu'on a fait, est-ce qu'il reste quelque chose? Il en reste encore des mémoires traumatiques incrustées en arrière-plan. Il en reste encore avec écho et résonance. Et comme des automatismes aussi de fonctionnement, de réaction qui sont encore là restants. Programmation. Oui. On élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Donc on reconnecte et réinforme ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité, Oui. équilibré, synchronisé, Oui. réaligné, retissé, Oui. harmoniser tout ça. Oui. Son élémental peut émettre un boom apaisant. Oui. Voilà. C'est Et fait. puis au niveau des tendons durs, peut-être les assouplir. Regarde s'il y a moyen de faire tout ce qui est nerfs, tendons, muscles, etc. Voir si tout peut s'assouplir et
se libérer. C'est une énergie fluide d'équilibre. Allons-y. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, donc système digestif avec des gaz, des diarrhées, douleurs intestinales. C'est les parasites qui traversaient tout son système digestif. Et au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, l'élémental du corps avait de plus en plus de mal à gérer cette présence-là de ces parasites-là. Du mal à rééquilibrer. Donc on avait le système digestif métabolique et tout le système éliminatoire. Est-ce que malgré tout, il reste quelque chose plus spécifiquement? De l'empreinte énergétique de ces parasites-là, il reste. Que des empreintes, pas d'éjection, pas de résidus. Si, qui y sont associés. Voilà. Et rien d'autre? Non. Alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'au 1100. 1, 2, 3. C'est fait. Tu vois qu'il y a besoin de reconnecter et réinformer? Oui. Allons-y. C'est fait. Apport d'énergie et vitalité? Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, en ce qui concerne les diarrhées, tout ça, les gaz, est-ce que tu vois que tout est réglé? Oui, ça s'est équilibré maintenant. L'énergie y circule dans toute cette zone-là de façon fluide et haute en fréquence. Parfait. Donc, elle a été opérée des végétations à 8 ans. Donc, avant d'être opérée, elle n'aimait rien, ne mangeait rien. Elle était petite, maigre, enfin, selon ses repos. Après l'opération, c'était le contraire. Elle s'est mise à dévorer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a commencé à nourrir ses parasites à ce moment-là. Est-ce que les parasites ont profité de l'opération pour s'infiltrer? Il y en avait déjà, comme des, on va dire, des souches qui étaient déjà là présentes, inactivées et endormies, et qui au moment de l'opération ont été activées, réveillées, se sont multipliées et ont un besoin soudain d'énergie et de nourriture. Qui est-ce qui les a réveillées en fait? C'est les entités démoniaques. Et pourquoi au moment de l'opération? Parce qu'à ce moment-là, sa conscience est désactivée. Ah oui, endormie et sans vigilance. D'accord, ok. Bien, voilà. Donc, en ce qui concerne cette boulimie, puisqu'elle dévore, est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois des choses à faire par rapport à ça? Est-ce qu'il reste quelque chose? Il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et puis aussi des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique. Des programmations? Oui, il y a les programmations qui sont associées. Alors, on élimine tous les plans jusqu'au réminiscence. 1, 2, 3. Oui. Donc là, on reconnecte et on réinforme ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Harmonisé, pardon. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Est-ce que tu vois que c'est complet? Oui. Bien. Les nuits agitées, qu'est-ce qui se fait qu'elle a des nuits agitées? Ce sont ces entités-là qui viennent la visiter, qui viennent imposer leur présence, hein, qui viennent s'infiltrer en elle, hein, qui viennent la bousculer. Okay. Elles viennent assurer leur contrôle. Hein. Donc là, c'est terminé, il n'y a plus personne, on est d'accord? Il n'y a plus personne. Est-ce que malgré tout, il reste des choses à éliminer? Oui, là, concernant elle, il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Ok. Et... Oui, c'est tout. Sur les plans oniriques, tu vois des choses à éliminer?
Ça fait partie des mémoires traumatiques. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Donc, on a travaillé sur la glande pinéale. Hein, oui. Avec la mélatonine. Est-ce que tu vois que c'est rééquilibré ou pas au niveau du sommeil? Maintenant, oui. Est-ce que tu vois d'autres choses qui devraient être faites? Non, là, c'est correct. Parfait. Alors, elle a de l'asthme. Regarde à quoi c'est dû. C'est la présence de ces parasites. Jusque dans les poumons. Oui. Parce qu'il y a le souffle de vie. Ils viennent se greffer sur le souffle de vie pour prospérer et se gonfler. Donc ça vient gêner la physicalité dans son fonctionnement. Alors dans cette partie, est-ce qu'il reste quelque chose? Non, tout a été éliminé. Très bien. Bien, les oreilles fragiles, donc est-ce que tu vois que ça a été maintenant réglé avec ce qu'on a fait sur le système ORL? Oui, ça a été rééquilibré maintenant. Parfait. Les mains très douloureuses, donc elle peint avec ses mains, avec de la peinture acrylique, mal aux articulations. Qu'est-ce qui se passe de ton point de vue? C'est pour empêcher les connexions avec ses intuitions et ses parties supérieures. Ça l'empêche d'expanser plus sa conscience au travers de la physicalité au niveau de ses outils physiques que sont ses mains. Ça vient créer comme une sorte de plafond de verre qu'elle ne peut pas dépasser pour s'exprimer, notamment par la peinture. Mmh, d'accord. Est-ce que ça a été réglé ou pas? Tu vois des choses encore ou pas? Il reste dans ces zones-là, il reste des mémoires de douleur. Bien. Rien d'autre? Non. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. On va reconnecter et réinformer ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Harmoniser tout ça. Oui. Et son élément mental peut mettre un boom apaisant pour les inflammations, toutes les douleurs. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. C'est fait. Juste une curiosité, comme elle peint avec les mains, une peinture acrylique, regarde s'il y a des produits qui seraient nocifs. Alors, il y en a, mais il y en a dans tous les types de peintures, pas seulement dans ce type de peinture-là. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu vois que ça passe dans son corps? Partiellement, son système immunitaire vient en bloquer 70%. Donc il en reste 30%. Oui. Bien. Est-ce que maintenant, son élémental peut activer un programme d'élimination? Oui. Alors allons-y. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Bien. Donc, elle travaillait à côté d'une cathédrale, avec où il y a eu des trafics d'esclaves, de l'exploitation d'humains, etc., etc. Comment est-ce que tu vois son cabinet du point de vue énergétique, ésotérique et autres? Il y a une sorte de vortex aussi sous le lieu du voilà. Cabinet. Très bien. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça lui crée comme problème, ce vortex? C'est un effet d'amplification. C'est comme si les deux vortex, c'est-à-dire le vortex du lieu plus le vortex dans lequel se trouvait elle, on va dire son vortex personnel, les deux ensemble jouent un rôle de... Ça fait caisse de résonance, ça vient amplifier toutes ces problématiques énergétiques et jusque sur le plan physique. Ok. Donc, on va faire une dalle suffisamment épaisse en dessous avec des évacuations qui donc évacuent les énergies à l'extérieur et sans toucher, bien sûr, aucune autre habitation. Oui.
pour ne pas stagner au-dessous. Tu vas programmer cette dalle pour être indestructible et stable et indestructible. Oui. Voilà, elle va nettoyer donc tout son cabinet avec une puissante tornade, y compris la mémoire des murs, etc. Meubles, objets, elle nettoie tout partout. Oui, c'est fait. Voilà, elle installe partout des forts de vie, graines de vie, double muscat activée et sécurisée. Oui. Voilà. Le reste, elle le fera tout à l'heure avec, avec son appartement. Mmh. Comment est-ce que tu la vois? Comment tu vois son cabinet maintenant? Maintenant, c'est neutre. Ah. Parfait. Au niveau de son activité artistique, la peinture qui plaise beaucoup apparemment, et elle n'a aucune vente. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une sorte de... On pourrait appeler ça une sorte de sortilège autour des œuvres elles-mêmes. Alors non pas qu'il s'agisse de magie noire ou quelque chose comme ça, mais il y a une sorte d'onde énergétique qui agit comme un sortilège et qui est donc autour de tout ce qu'elle produit comme œuvre artistique et qui est envoyée par ces entités-là pour venir la bloquer, elle. D'accord. Alors, est-ce qu'il en reste quelque chose? Oui, il en reste les structures. Ok. Alors, on va les éliminer sur tous les plans. Les structures de ces ondes-là. On élimine sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est tout. Alors, est-ce que tu vois que c'est parfaitement libre maintenant? Maintenant, oui, c'est dégagé. Bien. Alors, lorsqu'elle dit qu'elle est guidée quand elle fait ses créations, ses peintures, elle se sent guidée. Regarde par qui ou par quoi elle est guidée. Ou qu'est-ce qu'elle ressent? Par elle-même. Par des parties supérieures d'elle-même. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, elle sera encore plus pleinement guidée, alors. Oui. Et les entités n'ont pas réussi à la couper de son... de sa connexion? Non, mais elles ont réussi à bloquer les œuvres produites. D'accord. Ben maintenant, ça ira. Donc, elle va s'installer une programmation sur laquelle maintenant, tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement, que ce soit l'abondance et tout ce qu'elle désire. Oui. Voilà. Elle déclare qu'elle mérite le meilleur et que maintenant, elle se l'accorde et que rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Autre point, il y a un an, elle a été réveillée la nuit par un cri masculin, voilà, qui naît de sa gorge. De qui ça? Et puis le deuxième jour, une autre voix. Qui c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les entités démoniaques qui, dans ces périodes de sommeil, traversent son espace énergétique, traversent son corps physique. Mmh. Et... Là, elles ont simplement expérimenté ses cordes vocales. Ah, d'accord. Et donc, elle a craché quelque chose de très épais. Qu'est-ce qu'elle a craché, là? C'est de la matière astrale. C'est comme une sorte d'interface qui était nécessaire pour produire ces sons-là. Ah, d'accord. Comme... Ils ont créé cette matière astrale pour faciliter la... L'interférence. C'est son. Ça, comme nous, on aura besoin d'un sifflet comme interface pour créer un sifflement. C'est un peu la même chose. D'accord. Et donc, ensuite, elle a eu une grippe, c'était lié à ça ou pas? Oui, parce que ça a créé des fuites d'énergie importantes d'une part, et d'autre part, une réaction de rejet de l'élémental du corps physique, de la présence de ces entités, de la présence de cette matière astrale. Donc, ça a généré en cascade, une baisse du système immunitaire. D'accord. Donc, ok. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose de tout ça? Il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sous tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. On active toutes les sensations, émotions, ressentis, perceptions, sentiments, etc.
Oui. Voilà. Et elle peut ressentir maintenant ce sentiment de complétude et de sécurité intérieure. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Apaisée, tranquille, légère, une sensation de sécurité et de complétude à l'intérieur d'elle-même. C'est apaisant. Bien, elle est maintenant au sommeil. Au moment de se coucher, j'aimerais savoir comment elle se sent, tout en étant en connexion avec toutes ses parties. Elle se sent calme, tranquille et apaisée. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir ce nouvel état par rapport au précédent? De la satisfaction de ce nouvel état d'être, de ressentir cet état de légèreté, de bien-être. Ça lui fait ressentir de la satisfaction et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le ramène ici et maintenant dans toutes ses parties, comme un téléchargement, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, jusqu'à son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà pour des nuits de sommeil tranquilles et régénérantes. Donc, quand elle dit qu'elle n'a jamais réussi à trouver l'amour, les hommes ne sont jamais tombés amoureux d'elle, ou elle tombe sur des hommes qui ne lui conviennent pas, qu'est-ce qui se passait? C'est les entités qui venaient bloquer, modifier ces relations interpersonnelles pour qu'elles ne puissent pas s'épanouir dans ce domaine-là, pour la garder dans des émotions de basse fréquence, pour la garder sous contrôle. Bien, il reste quelque chose à éliminer là? Il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance. C'est comme des réactions, c'est des programmations de réactions qui sont là, imprimées en elle. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours en connexion avec la source, en ressentant toute sa complétude, ressentant tout son l'amour qu'elle est, cette sécurité intérieure. Oui. Elle s'installe une programmation sur laquelle que maintenant toutes les portes lui sont ouvertes pour l'homme idéal pour elle et pour qui elle est idéale. Oui. Voilà. Elle aura que l'embarras du choix et non plus le choix de l'embarras. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Maintenant, on va regarder son corps mental. J'aimerais que tu me dises toutes les programmations limitantes que tu y trouves avec les croyances qu'elle en a développées. Dans le corps mental, il y a des programmations de limitation et de brouillage. C'est comme des dômes qui viennent se superposer les uns sur les autres, hein, et qui sont là dans le corps mental, limitant et plombant. Quelles sont les croyances limitantes qu'elle a développées? Qu'elle n'a ni la puissance ni la connaissance nécessaires pour passer par-delà ces programmations-là. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces autres parties? De la perspective où elle se trouve maintenant, qu'elle est reliée à sa propre puissance intérieure, elle contemple ces programmations-là de au-dessus, elle s'aperçoit de leur nature. Que ce ne sont que des programmations qui sont agissantes uniquement dans des bandes de basse fréquence, mais que elle peut aller bien au-delà de ces fréquences-là, bien au-delà de ces programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il de tout ça? Des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées, puis aussi des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. À présent, on va revenir sur l'ancienne ligne de temps. J'aimerais que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec cette ancienne situation. Il y a une sorte d'anxiété qui est là en arrière-plan, de mal-être, hein, de tristesse, de sensation d'être décalé, rejeté. C'est une sensation lourde et pesante, comme un poids qu'elle doit porter.
Ça génère des frustrations. Ça génère des sensations de ne pas pouvoir se déployer comme elle le voudrait dans l'incarnation. Donc ça génère des frustrations, de la colère aussi par rapport à ces frustrations. Et de la culpabilité aussi, de ne pas arriver à ce qu'elle voudrait, à ce qu'elle espère dans l'incarnation. Ça génère une basse estime d'elle-même et des fuites d'énergie importantes aussi. C'est bon. On va regarder à présent du côté des cinq blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles ? Il y a la sensation de trahison de la partie physique ressentie comme si elle avait été trahie par le soi supérieur pour avoir été là, rejetée, abandonnée dans l'incarnation. Ce n'est pas le cas, mais c'est le ressenti de la partie physique. Il y a le ressenti de l'injustice de ces conditions d'incarnation, bloquées, limitantes. Et puis l'humiliation aussi ressentie de ne pas arriver à passer par-dessus toutes ces situations la bloquantes d'incarnation, de ne pas arriver à s'imposer, à se placer et à se déployer dans l'incarnation. Donc pour pouvoir fonctionner quand même, avancer quand même dans l'incarnation, elle a mis en place, c'est comme des systèmes de défense, comme des sortes de programmation interne qu'elle a mis en place, qu'elle a créé, chacune adaptée à une situation donnée, avec une sphère de protection autour. Sauf que pour chaque situation donnée, elle a dû créer une programmation. Et quand ça ne marche pas, elle commence par la modifier dans un premier temps, et puis l'espace devient trop petit, donc elle va en créer un autre espace sécurisé, où elle va créer une autre programmation de fonctionnement par rapport à une autre problématique, par rapport à un autre dysfonctionnement, et encore, et encore, et encore. C'est une sorte de fuite en avant, de recherche de solutions sans jamais arriver à la trouver. Mais ainsi absorbée sur sa tâche, ça vient la couper. C'est comme si elle s'était coupée d'elle-même, de ses intuitions. C'est comme si elle avait fractionné chaque problématique les unes après les autres, chaque souffrance les unes après les autres, pour pouvoir les traiter, on va dire séparément et dans l'ordre, méthodiquement. Donc, dans un premier temps, ça fonctionne, mais de moins en moins au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Et surtout, ça la coupe de ses connexions et de ses intuitions. C'est bon. Je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de lancer une ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce qui reste de tout ça ? Des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées, et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. À présent, toujours en conscience et en connaissance de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, en ressentant, en liant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. À l'intérieur, donc autour à l'intérieur de toutes ces particules, à l'intérieur sur et autour d'elle également. Oui. Comment la vois-tu à présent ? Centrée, apaisée, tranquille, sécurisée. Elle ressent un sentiment de complétude, de bien-être, de calme intérieur qui lui permet de s'installer, de se poser là, dans l'instant présent et dans l'incarnation, et d'y trouver du plaisir, de la joie d'être là.
d'être dans la satisfaction de l'instant et d'être dans l'appréciation et le plaisir d'être là dans cette expérience de l'incarnation. Alors qu'il a pris le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de réalité, toutes ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation et qui se vit généralement par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Donc, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient les incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Isabelle? Il y a de l'attirance, il y a de la curiosité, il y a de la pétillance devant toutes ces situations d'expérimentation qui se présentent là devant elle. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Qu'elle prenne le temps là aussi de le ressentir, l'apprécier, le savourer. Oui. Elle rajoute tout ça à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, jusqu'à son âme. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle peut ressentir également cette sécurité intérieure inébranlable. Oui. Le sentiment de sa propre dignité et de sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, amour et joie. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, même ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Allô? Tu m'entends? Oui, il y a une coupure. Donc elle repasse par chacune des vies vécues. Donc, par chacune des vécues, mince, attends, excuse-moi. Elle repasse par chacune des vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source. Et oui. Chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment la vois-tu à présent? Elle ressent pleinement la connexion avec sa propre puissance intérieure et avec toutes les autres parties d'elle-même. C'est puissant, lumineux, stable, équilibré et joyeux. Il y a sa conscience qui s'expanse. Il y a cette sorte de lumière, comme une lumière tamisée mais éclairante qui vient... qui vient là dans tout son espace énergétique, ça vient éclairer tout son espace. Ça lui apporte de la joie, de la satisfaction, du bien-être et du plaisir d'être là dans cette incarnation. C'est bon. Bien, eh bien ça va être le moment des invitations. Oui. Elle a nommé sa mère, ses deux frères avec leur famille respective, ses deux fils, la famille en général, les amis de cœur. Et puis, on va dire tous ceux à qui elle pense. Peut-être le père des enfants, d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin bon. En tout cas, on va dire tous ceux à qui elle pense. Hein.
Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose à chacun de profiter de cette opportunité tout en prenant conscience respectivement de leur propre situation sur tous les plans. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Et avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Alors, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archaïolique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se place dans une bulle critique de protection. Se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecter à la source, travailler sur l'arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc Isabelle pour elle-même, adapter bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors on va passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est en train de flotter assez proche du plan terrestre, hein, comme s'il n'arrivait pas à s'en détacher. Mais c'est assez inconfortable, une sensation de tiraillement dans ses énergies. Identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Ah, il y a une montée en fréquence qui vient alléger et réorganiser toutes ses énergies. C'est beaucoup plus calme et fluide maintenant pour lui. Que désire-t-il faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté et souveraineté? Elle remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés sur le plan terrestre? Tu le retiendras par contre. Il y a l'expression du remerciement et du soulagement qui va vers celle qui a été sa fille. Et il y a une onde d'amour puissante, d'amour inconditionnel. C'est de l'amour inconditionnel qui est très différent de l'amour expérimenté sur Terre dans la 3D, qui passe auprès de celle qui a été sa fille, aussi auprès de toutes les consciences qu'il a connues dans sa dernière incarnation, mais dans les autres aussi. Est-ce qu'il voudrait lui exprimer quelque chose de particulier par rapport à cette incarnation qu'il a eue avec elle? C'était comme être prisonnier de quelque chose, prisonnier d'un corps, prisonnier d'un destin, quelque chose de limité, avec des perceptions limitées. Il le voit bien maintenant où il se trouve là, maintenant dans ce nouvel état d'être. C'était comme une fenêtre trop étroite
au travers laquelle expérimenter la vie humaine. C'est tellement plus léger, vaste et riche la zone où il se trouve là maintenant. C'est bon. Bien. Est-ce qu'il peut lui demander s'il peut envoyer de l'énergie et de l'information dans la lignée maternelle et paternelle, donc d'Isabelle, pour que chacune des âmes puisse faire les mêmes choses que lui, ou en tout cas en ait l'occasion. Oui. Allons-y. C'est fait. Eh bien, nous pouvons le remercier et le saluer. Oui. Il est parti. Bien, vérifie qu'il ait bien franchi l'espace, enfin la fausse matrice. Oui. Parfait. Alors maintenant, la grand-mère maternelle. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans une zone où ça vibre beaucoup. Il y a des changements rapides. Des changements d'état d'être rapides. C'est comme une sorte de sas de transformation, de passage d'un état d'être à un autre. Mais elle s'y est retrouvée là sans le vouloir, en fait. C'est comme une sorte de passage obligé. Bien. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors elle aussi, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut un coup de main. Ah oui. Alors nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle et énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il à présent? Non, ça vient se stabiliser immédiatement, toutes ces vibrations, là ça s'arrête. Elle est au-dessus maintenant, fréquentiellement parlant. C'est clair et léger, calme. Que compte-t-elle faire alors? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté et souveraineté? Remonter à la source. Alors dis-lui pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Isabelle et tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre? Elle vient la remercier et lui envoie une onde d'amour enveloppante, quelque chose de rassurant, de confortable, et qui en même temps élève les fréquences. Il y a quelque chose de puissant dans cette onde. Il y a des pétillances issues de cette même onde d'amour universel qui vont vers toutes les consciences qu'elle a connues, mais surtout celles qu'elle a aimées pendant son incarnation et au-delà. C'est bon. Eh bien, nous pouvons la saluer. Elle est partie. Puisqu'on a fait les deux lignées avec son père. Mmh. Bien, on peut revenir à Isabelle? Oui. Alors, est-ce que tu vois des liens toxiques? Oui. Donc, elle les coupe tous et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Oui. Idem. 1, 2, 3. Il reste des réminiscences derrière. Alors, idem. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, on va éliminer les liens de ses noms et prénoms avec le système matriciel. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Sur tous les plans et dissous les racines. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui.
couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine, tout ce qui n'a pas, donc, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter également si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création où il active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. C'est fait. À présent, on va revenir sur son ADN, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 de connectés et 6 d'activés. Elle peut activer la 7e ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça vient développer de nouveaux canaux de connexion avec ses intuitions et ses parties supérieures. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15 mois. Est-ce que tu vois des résultats rapides et lesquels? Il y a des sensations de légèreté, de bien-être, hein, d'être centré, équilibré. C'est agréable. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance? Par vague reviennent des émotions de basse fréquence, de sensations d'être seule, isolée, incomprise, bloquée, avec des manifestations de douleur et de mal-être sur le plan physique. Ça correspond à ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas encore installés complètement. Donc dans ces phases-là, le mental ego, pour se rassurer, pour se sécuriser, il va rechercher des informations dans le passé pour les recréer dans le présent. Alors, quand ces moments surviendront, puisque c'est très possible, hein, il te suffira de te souvenir de ce qui a été dit.
Et s'il y a des apparents retours en arrière, voire aggravation, tu te souviendras que c'est le travail qui se fait, plus tu resteras confiante et optimiste, et plus tu soutiendras les parties de toi qui font leur travail. Et plus vite ça ira en intégration, et meilleur en qualité et en profondeur. Alors, pour soutenir toutes les parties d'Isabelle, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent joyeuse, heureuse, pleine d'énergie, vivante. C'est tout coloré et lumineux dans son espace énergétique, ça pétille. Elle ressent du plaisir et de la joie d'être là dans l'incarnation. Bon, tu vois, ça vaut le coup de faire confiance. Bon, alors quel point est-il de le ressentir, de l'apprécier, de savourer, de le déguster? Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement, dans toutes ses parties d'elle, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, jusqu'à son âme. Oui. Et pour toutes ces parties, ça devient du connu, les nouveaux repères, et même les nouvelles références et les habitudes qu'elle peut programmer dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc les recommandations ayant été faites, on va aller directement voir son domicile. Et pendant ce temps, elle fera la même chose, enfin sa partie séminale fera la même chose dans son cabinet. D'accord? Oui. Alors donc, en ce qui concerne son domicile, comment le vois-tu? Il y a des zones d'ombre. C'est des sas de passage interdimensionnels utilisés par les entités. D'accord. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, pas qu'ils viennent l'impacter. Alors, elle va faire une puissante tornade et elle nettoie tout partout, y compris même hors des murs, les meubles, objets, tout ce qu'il contient. Oui. Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double les muscates activés, sécurisés. Oui. Sur son compteur qui est Aline Key, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus encore fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, on installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et qui produisent par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, et régénérant, paisible, sécurisé, tranquille, avec un son et un parfum qui se modulent et tu sécurises. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Elle le met dans une bulle cryogénique de protection et elle également. Oui. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises également. Oui. Relie le début et la fin de la séance et tu sécurises. Oui. Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée, sécurisée. Oui. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise également. Oui. À présent, tu as installé un programme de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, sur tous les plans, pour toutes les deux, bien sûr. Tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, on installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quel que soit son état, quelle que soit la ligne de temps,
quelle que soit la situation, elle le quitte en toute sécurité, liberté et souveraineté, que ce soit pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. C'est fait. Et enfin, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on demande au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à lui donner ? Oui, c'est la partie physique qui active cette connexion par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira à Isabelle de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de l'appliquer et au besoin de le réécouter. Alors, comment est-ce que tu vois son âme ? Elle s'est allégée, éclaircie, elle s'est expansée aussi. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale ? Elle a réorganisé, recentré ses énergies, elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version de Isabelle, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cet eau de très haute fréquence composée de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, l'installe fleur de vie, graine de vie et double lumiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Isabelle avant la séance et quelle est-elle à présent ? 56 et maintenant 172. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. Et trois. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Ça va ? Oui. Tu te sens bien ? Oui. Bon, allez à nous. Isabelle, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Voilà. Ça fonctionne maintenant ? Oui, hein ? Oui. C'est magique. C'est magique. Vous êtes magique, merci. Un grand merci à vous. Un grand merci à tous les deux. L'histoire du tout début, avec le fait que j'ai été donc bloquée, lourde, décalée, l'isolement, la tristesse. Oui, oui, c'est vraiment ce que j'ai toujours ressenti, y compris ce fort blocage que j'ai senti toute ma vie, cette impossibilité d'évoluer, de m'exprimer, d'exprimer ce que j'étais à tous les niveaux, absolument tous les niveaux. C'est vraiment un résumé de ma vie et je comprends seulement depuis quelque temps, depuis que je m'ouvre à la spiritualité, c'est-à-dire il y a 2 ans, que ça vient d'entité finalement, ça vient pas de moi ou d'autre chose d'ailleurs. Alors il n'y a pas de victime non plus dans l'univers, attention, hein. Il y a toujours des failles qui permettent ça, hein. Les entités profitent des opportunités, hein. Ouais. Il n'y a pas de victime, d'accord. Ouais. Oui, c'est que des contrats, des marchés qui ont été voilà. Plus... c'est des conséquences, hein. Mais ça fait partie du jeu, en même temps tout est juste.
Chacun amène son jeu dans son propre intérêt. Et, ben, le but, c'est de se libérer de tout ça et de reprendre les rênes de sa vie. Hein? On sait que ça existe, c'est formidable. Tu as senti des choses pendant le travail ? Oui, j'ai été très abattue, en fait. J'avais sommeil, je tenais absolument pas. Et après ce travail donc sur mon père et ma grand-mère maternelle, j'ai eu une forte douleur dans la gorge, très forte, vraiment. Comme s'il y avait une boule dans ma gorge, une boule qui me faisait mal en fait. Et là maintenant ? Elle est passée. Elle est passée et puis, bon, j'ai moins sommeil, mais de toute façon, j'avais de gros problèmes de sommeil avant déjà, c'est-à-dire que même quand j'ai bien dormi la nuit, j'arrive à avoir sommeil la journée, même en plein travail, à des moments irréguliers, inattendus. Et là, vraiment, c'était très fort, très très fort pendant le soir. Mais il se peut que tu aies besoin de te reposer et justement de dormir. Hein. Tu écoutes ton corps et hein, tu fais ce qu'il te demande. Oui, 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 quand on y arrive. Ah non, mais ça, maintenant tu vas y arriver. Ouais. Maintenant, n'oublie pas, on a fait notre travail. Maintenant, ton travail à toi, c'est de faire vivre ce qui a été fait et de le faire grandir. Hein. Ouais. Et ça n'appartient qu'à toi, là. Donc, ouais. Ça veut dire avoir la conviction, la certitude, décider que rien ni personne ne t'en empêchera. Hein, et voilà. Donc, ça, c'est ton boulot maintenant. Et quoi qu'il se passe? Même dans les phases où il y aura peut-être des remous, hein, c'est très possible. Je sais qu'une évolution n'est pas linéaire. Voilà. Il y aura des vagues. Donc voilà, continuer toujours dans la bonne direction pour aller dans la direction qu'on a choisie. Voilà, voilà. Donc en tout cas, tu connais mon conseil de voir la vidéo. Tu as bien compris qu'il y a beaucoup d'informations. Oui. Et puis ça stimule les énergies hein, quand tu en auras besoin. Voilà, si tu en as envie ou besoin de refaire une petite piqûre rappel. Et alors, pour la voir, comment ça se passe ? Je t'expliquerai à la fin. D'accord. En hors ligne, je te dirai tout ça. D'accord. D'accord. Voilà, autrement, j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu nous diras comment les choses se passent par toi. Oui. Par toi, par mail, si tu veux. Oui, oui, très volontiers. Quand tu veux, si tu veux, bien sûr. Très volontiers, oui. Oui, oui, j'aimerais beaucoup, oui, rester en contact avec vous. Pour autant pour le suivi de l'évolution que pour une éventuelle suite, je ne sais pas. Non, ne te projette pas dans une suite. Tu veux dire une autre séance, non. Je préfère que tu partes de l'idée que cette séance est complète, que tu sauras en faire ce qu'il faut et que tu n'auras plus besoin de nous. D'accord. D'accord, parce que si, justement, si tu commences à te projeter sur une éventuelle séance, c'est-à-dire que tu es en train de présupposer que celle-ci ne sera pas complète et qu'elle ne sera pas intégrée. D'accord. Hein? Voilà. Donc, ta vidéo, on l'a publiée toujours en flouté, je suppose ? Oui, oui, oui. Hein ? Voilà, comme on l'a dit au début. Je repose toujours les questions, mais bon, je savais, je connaissais ta réponse. On va te souhaiter une bonne métabolisation. Merci, Pascal. Hein ? Plein de belles et bonnes choses, et on attend de tes nouvelles. Et on reste en ligne, d'accord ? Bon, merci encore.